Marion Vullen, vous présentez Unit Pritz. Au départ du quintet vendredi sur les pommes de Cabot, Unit qui reste sur deux disqualifications, que s'est-il passé? La première fois, parti au petit galop de chasse, ça nous était jamais arrivé. Et puis la dernière fois, c'est un peu de ma faute, le cheval était défraîchi, trois voyages en 15 jours à Vichy, fatigué. Fatigué, c'est de ma faute. Il a repris un petit peu de fraîcheur depuis? Oui, il a repris de la fraîcheur, il a trotté à la mer lundi, il était superbe. Super, carré d'allure, nickel, cheval est en forme. Bon, il n'est pas évident de rendre 25 mètres aux 6 ans dans cette épreuve, surtout sur les pommes de Cabot. C'est quasiment mission impossible, à 25 mètres, mais on va risquer une petite chose avec Gabi, on en a parlé là tout à l'heure, on va le déférer des 4 pour la première fois de sa carrière, mais c'est plus quand même pour une 5-6e place si tout se passe bien. Quoi. Qu'est-ce qui vous pousse à le déférer des 4 pieds pour la première fois? Je suis à une demi-heure de route de chez moi. J'ai pas besoin d'aller bien loin pour prendre ce risque. Donc on va faire ça avec une bonne paire de cloches et puis on va voir ce que ça donne. Il n'a pas forcément besoin d'énormément de poids ou... Non, parce qu'on a beaucoup allégé par rapport à l'année dernière, où il avait des gros fers et des grosses cloches. Et là, on a des petits fers devant, des petits mirons légers, avec une petite paire de Marvel. Donc là, on va peut-être mettre une paire de cloches un petit peu plus lourde et puis on va enlever les fers. On va voir ce que ça donne. Quelles sont vos ambitions avant coup? Mes ambitions sont très limitées. Je vous dis, moi, si ça se passe bien, une 5, 6, 7e place, ce serait bien, je pense.